Salut les filles, hop, allez, je fais mon petit partage. Hop, je suis là sur l'ordi. Allez, zouf. Alors aujourd'hui c'est un live défi, un live make-up gothique. Alors, je vais vous montrer ce que je vais tenter de faire. Hop, alors je suis où là? Je suis pas habituée de l'ordi. Bon, je suis un petit peu en retard, ouais. J'avais dit l'admis, mais une chose, une autre. Hop. Donc, si vous êtes en direct, vous avez le petit encart rouge en haut. Putain, j'ai ma lentille. Sinon, vous êtes en replay. Donc, mettez-moi un petit hashtag replay également pour me dire ce que vous en pensez de ce make-up. Allez, je suis où là? Partagez. J'ai pas l'habitude de l'ordi. Ma tablette. A plus de batterie pratiquement. Voilà, je vais pas voir sur ma page. Je vais partager sur mon journal déjà. Coucou, oui, je suis en retard de 10 minutes. Je suis désolée. Une chose, une autre. Le mercredi, c'est la course. C'est la course, c'est la course. Hop. Puis en plus, je me suis rendu compte que ma tablette. Alors attendez. Oh, j'arrive pas. Hop. Ma tablette, elle a plus de batterie. Donc, du coup, en plus, la photo n'était pas synchronisée. Oh, donc, j'ai branché ma tablette tant que j'ai pu. Et j'ai mis le PC parce que. Voilà. Donc, je suis à la bourre, comme d'habitude. Pour pas changer. Puis en plus, je me suis rendu compte que j'étais pas démaquillée, donc il a fallu quand même que je me démaquille aussi. Impardonnable. Bon, je vais essayer de me faire pardonner avec le make-up, hein. Réussir le make-up. Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Ah, je vais nettoyer mes pinceaux en attendant. Allez, je partage sur mon groupe. Dans un groupe make-up. Je trouve pas mon groupe. Voilà. Allez, c'est bon. Il y en a pas. Du coup, vu que je suis en retard. Bon, faites-moi un petit coucou les filles quand vous arrivez. Pour celles qui arrivent en cours de live. Caroline. Alors, je vais vous montrer. Du coup, je l'ai mis sur ma page, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Je vais tenter de faire ça. Alors, c'est branché. C'est pas pratique du tout. Voilà. Voilà ce qu'on va tenter de faire. Oh, c'est dommage, j'ai oublié de prendre. Je voulais prendre aussi. Un petit collant là pour mettre là. Je vais. C'est qui est aux toilettes? Est-ce que tu peux m'apporter après dans la salle de bain la petite boîte en osier où il y a les coupe-ongles? Après. Ça va les filles? Allez, je nettoie vite mes pinceaux et puis on attaque. Donc là, pour faire le make-up, je vais commencer par le teint. Tu me le laisseras devant la porte, comme ça je viendrai le chercher, comme ça on ne verra pas en live. Coucou Sandrine, comment ça va? Alors t'as vu aujourd'hui c'est un make-up un peu particulier, hein? C'est un make-up défi que Floufi m'a donné, n'est-ce pas Floufi? Donc on va tenter de le faire. Donc je vais déjà mettre ma base. Je vais même faire un masque avant de venir et puis j'ai pas eu le temps. Trop de choses à faire ce matin. En plus, j'ai été acheter des moustiquaires. Je vous ferai une petite photo. Donc, j'étais en train de voir comment il fallait que je les monte. Voilà. Donc, j'étais en train de voir qu'il fallait les couper, les prendre à la dimension. J'ai sauté sur l'occasion, il y avait une super promo. Et du coup, j'ai dit une moustiquaire, ma fille, elle se fait bouffer par les moustiques, la petite. Bon, pourtant, on n'ouvre pas trop les fenêtres à part le matin pour aérer. Et du coup, elle se fait bouffer par les moustiques. Alors là, je prends la teinte bisque de la bébé crème. Mais je veux vraiment que ça fasse blanc, hein, comme sur la photo. Bon, ça fera peut-être pas aussi blanc, hein.
Mais ça va m'éclaircir, bien m'éclaircir le teint. Donc je vais mettre un petit peu de correcteur. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de correcteur, donc on va mélanger tout ça. Je ne sais pas du tout ce que... J'ai pas tenté non plus hier. J'ai pas tenté hier de l'essayer avant. J'ai même pas tenté. Je dis, oh, de toute façon, on verra bien. Le ridicule ne tue pas, comme on dit. Moi, j'ai pas peur du ridicule. Avant, si. Avant, oui, j'avais peur que ce que les gens y disaient. Mais maintenant, je pense que c'est l'âge. Et puis, à force de faire, je pense, des vidéos aussi. On n'a pas trop peur, qu'on a beaucoup moins peur du regard des gens. Ouh, je suis blanche. Ça m'enlève tout mon bronzage, les filles. Je vais remettre aussi sur les. Bon, je remets sur les paupières aussi. Faut que ce soit blanc aussi. Hop. Mais si vous avez des idées comme ça de défis, hein, les filles, moi ça me gêne absolument pas. Alors je vais rentrer mes cheveux. Tu peux regarder, s'il te plaît? Et tu me le mets devant la porte. Faut que je voie parce que j'avais avant. Vous savez, pour faire le piercing. La boîte, tu sais, là, où il y a la boîte en osier où il y a les coupe-ongles. Moi, tu me le mettrais devant la porte. Et avant, donc, j'avais les petites perles là. Alors, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, hein. Je voulais le prendre tout à l'heure et j'ai zappé. Merci. Ouais, je l'ai toujours, mais est-ce qu'il y en a dedans? Ça fait un bail que j'avais avant un piercing là. Donc du coup, je ne l'utilisais plus. Ça fait longtemps ça. Ça fait très longtemps parce que le piercing, je l'ai enlevé le jour de l'accouchement de Mylis. Elle a 9 ans. Il faut d'ailleurs que je me le refasse percer. Et donc avant, pour décorer, vous savez, pour se faire un make-up, un joli make-up, je mettais toujours une petite perle. Bon, j'ai plus la colle par contre. Avec quoi je vais le coller? Pour la photo au moins. Ah! Vous voyez les petites perles comme ça? Je sais pas si ça sera assez gros, hein. Et donc voilà. Bon, je sais pas avec quoi je vais la coller. Et je la mettrai là, comme sur la photo. Bon, alors. J'ai mis la bébé crème avec un petit peu de correcteur. Bon, je suis un peu plus blanche que d'habitude, hein. Je n'arriverai pas à faire aussi blanc. J'ai pas de poudre blanche, blanche. Je vais mettre après ma poudre de fixation, mais elle est transparente, elle n'est pas blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je brille bien, mais... Alors, dommage pour la distance, j'aurais bien fait ta connaissance. Ah, c'est gentil, Sandrine. C'est gentil. T'habites de quel côté, tu m'as dit? Parce que j'ai un peu de famille un peu de partout, moi, chez moi. C'est super gentil. Voilà. J'ai étalé un petit peu la bébé crème. Et je vais mettre ma poudre de fixation. Alors, elle est transparente. Elle n'est pas blanche. Mais bon, ça peut être un petit peu... Donc, déjà, ça va matifier, ça, c'est sûr. C'est celle qu'on utilise quand on ne veut pas que le make-up... C'est un petit peu blanc, quand même. C'est bien. Quand le make-up ne veut pas qu'on... Par exemple, quand on a une soirée ou quoi, qu'on ne veut pas que le make-up ou l'été, quand on ne veut pas que le make-up bouge. Donc là, je tapote. Bon, Jenny, elle est arrivée ou pas? Ah non, elle avait un rendez-vous chez le pédiatre. Pour les filles. Allez, j'enlève le surplus là. Du coup. Ah, dans l'œil. Elle veut te taper. Pourquoi? Par rapport à ce que tu as dit hier? Bon, vous avez vu le petit jeu que je me suis amusée à faire ce matin? J'ai trouvé ça sur une page. Oh, j'ai dit c'est sympa. Ça fait travailler les neurones de bon matin. J'ai eu du mal, hein. Moelleux. Oh, elle est partie où la photo? Moelleux X. J'ai rien trouvé en X. J'ai perdu la photo. Ouais, elle est chez le pédiatre. Alors attends, je te retrouve. Floufi, t'es où? Là. Donc voilà, c'est blanc. Donc on va attaquer direct les yeux, hein. Ah, je vais prendre la palette à sourcils aussi, parce qu'elle a des sourcils bien faits. Non, ça c'est la palette contour. Ah oui.
Ben oui, tu voulais taper les filles ou je sais plus, qu'est-ce que tu disais déjà? Je sais plus ce que tu disais, je me souviens plus. J'ai tellement de messages que je sais plus qui. Alors attendez, là je cherche ma palette. Un sourcil. Ma fille, elle a rien rangé. Ah, chaque chose à sa place. Voilà ma palette à sourcils que je vais prendre pour faire les sourcils. Mais je le ferai tout à l'heure. On va s'attaquer aux yeux. Alors, c'est du bleu vert, mais bon, j'ai pas de bleu vert, hein, la fille. Hein. Attendez. Alors, j'ai trouvé ça en splurge. Ce bleu-là. Et ce vert-là. Alors, on va faire une expérience. On va faire une expérience. Parce que là, on est là pour faire un défi. Donc, on va tenter de faire quelque chose, les filles. J'ai rien préparé du tout. Hein. C'est vraiment. Comment je vais faire ça, les filles? Je cherche. Je cherche une coupelle. Là, je vais prendre ça. On va faire du bleu vert. Ah oui. Ouais. Mais avec Lindsay, la pauvre, elle ne laisse pas tranquille. Hein. Bah, Lindsay veut voir Tati. Voilà. C'est pour ça qu'elle est toujours réveillée pendant mes lives. C'est une chipie, cette fille. C'est une chipie comme sa tante. Allez, je tente de faire. Donc, ça, c'est des ombres à paupières crème. Hein. J'essaye de faire un bleu vert. J'essaye. Hein. Je fais mes expériences. Oh! Qu'est-ce que vous en dites? Je fais mes petits trucs de chimie. Bleu vert. Allez, vamos. Bon, par contre, je vais. Bien nettoyer mon pinceau parce que j'ai pas envie de mélanger les couleurs dans mes pots. Donc j'en prends un petit peu. Je prends plus de bleu que de vert quand même. Hein. Hop. Je fais mes petites mixtures. Ça c'est le couvercle du bleu et ça c'est le couvercle du vert. Alors les ombres à paupières crème, par contre, il faut bien les faire refermer après. Hein, parce qu'elles sèchent. Tiens, je vais aller sur mon profil. Parce que des fois, il y a Annie qui me parle, mais de l'autre côté. Et en violet, j'ai trouvé ça. Hop, je nettoie à chaque fois mon pinceau, les filles. Hein. Je perds peut-être beaucoup de temps à nettoyer mes pinceaux, mais je veux pas que ça se mélange. Et le bleu, il est ici. Un peu plus de bleu que de vert. Hop, il est où mon bouchon? Bleu. Hop, comme ça, je verrai s'il y a des commentaires aussi. Hop là. Ah, mais en plus, j'ai la photo sur le. Alors, je vais faire ma petite mixture, je vais mélanger mes deux couleurs. Vous voyez? Je mélange. Je mélange, je mélange. Et après, je mettrai de l'argent aussi au coin interne. Et l'argent, je vais le prendre ici sur la palette numéro 5. Je voulais utiliser cette palette-là. Mais du fait que ce soit des couleurs quand même qui sont irisées, j'ai pas voulu. J'ai vu que sur la photo, c'était quand même du mat, le violet était mat. Donc je vais prendre celui-là de violet. Je vais vous montrer avec le pinceau fluffy ce que ça donne. C'est pas le pinceau adéquat, hein. Le pinceau fluffy. Bon, je vous le montrerai après. Je vais déjà attaquer, alors je vais mettre par contre un petit peu de base aussi. J'aurais dû le mettre avant. Pas grave. Ça permettra qu'elle soit un peu plus flashy. Hop, je vais laisser sécher un petit peu. Bon, vous racontez quoi, les filles? Je vais fermer les sourcils en attendant que ça sèche. Comme ça, on ne perd pas de temps. Alors, palette à sourcils, je prends pour faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, on va dire. On va essayer. Bon, vous racontez quoi alors? Dites-moi. Ah, je ferai les trois petits points aussi avec la liner. Alors, crayon sourcil. J'ai pas brossé mes poils avant. Ouais. Pas grand-chose à pas. Vous avez beau temps? Nous, on a super beau temps pour l'instant. Ça fait du bien. Et du coup, après, je serai en mode moustiquaire. Vous voyez, quand même, ça fait quand même beaucoup plus sophistiqué que quand on utilise le crayon à sourcils. Hein.
Et après, on attaque. Parce que, en plus, j'ai sorti mes splurges. Et ça sèche vite. Et ils sont à l'air libre. C'est du grand n'importe quoi, Alexandre. Ah ouais, il fait très chaud. Maintenant, on a un petit peu de vent, donc c'est vrai que ça fait du bien. Hier, par contre, on avait beaucoup de vent. C'était pas agréable. Mais là, aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Bon, après, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre, mais. Ouais. Faut vraiment que je l'arrange. Ce sourcil, il est vraiment beau par rapport à l'autre. Et il est plus épais. Faut vraiment que je me fasse. Que je retourne voir mon esthéticienne qui me l'arrange parce que. Ça va pas, faut que je le dise. Je vais envoyer un message tout à l'heure. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ce sourcil. Donc, on va commencer par les yeux. Donc, par faire du bleu. J'ai même envie de mettre du bleu. Qui c'est qui met des petits bonhommes méchants? Dites-moi, les filles. Qui c'est qui met des petits bonhommes méchants? Allez voir qui c'est. Je vais utiliser. Du bleu bleu. Du bleu bleu, du splurge bleu carrément. Où est-ce qu'il est mon splurge bleu? Là. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Je vais le mettre sur toute la paupière mobile et le bleu vert, je vais peut-être plus le mettre en coin externe. Et après, je viendrai avec mon violet. Ok, Fanny, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Il est joli ce bleu, hein. J'aime beaucoup. Et je vais venir flouter. Bon, vous racontez quoi, les filles? Dites-moi un peu des choses. Je vais venir que sur la paupière mobile et après je vais venir avec mon pinceau estompeur. Bon, c'est vrai que c'est pas évident avec le pinceau estompeur. D'utiliser les ombres à paupières crème. Mais on va tenter. Qui tente rien, n'a rien. Bon, mettez-moi des gemmes déjà, pour enlever ce petit bonhomme méchant là qui est passé. Mettez-moi des cœurs si vous aimez déjà cette couleur bleue. Hop. Je ne peux pas mettre de musique avec ma tablette. Parce que je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Merci Sandrine. Merci, merci. Alors, je vais nettoyer mon pinceau fluffy. Il est où mon nettoyant pinceau? Parce que c'est quand même des couleurs qui sont bien, bien flashy. Donc, il faut bien que je nettoie mon pinceau entre chaque pour éviter de mettre de la couleur. On va revenir mettre de la couleur là, hein, parce qu'en estompant, du coup, ça en enlève un peu. Ça en enlève un peu. T'as bossé alors ce matin? Floufi? Allez, je reprends mon bleu. On va, de toute façon, on va jongler avec toutes les couleurs. Hein. On va jongler avec les trois couleurs. Hein. Je voudrais bien que le bleu ressorte, bleu flashy là. Plus près de la paupière, là où il y a les cils, parce que du coup, c'est là où on va plus le voir. Et après, on va mettre du violet, mais dans le creux de paupière. Comme il y a sur la photo. Par contre, je ne vais pas venir trop au coin de l'œil, parce que sur le coin de l'œil, vous avez vu, c'est de l'argenté et du bleu. Donc, il ne faut pas que je vienne trop. Trop près du creux du coin interne de l'œil. Bon, j'espère que ça va te plaire, hein, Floufi, hein. Parce que c'est pour toi, hein. T'as pas de vent, toi, Sandrine? Ah oh, bah c'est bien, dit, ouais. 2 heures et. Ouais, mais bon, ça fait quand même râler de partir pour 2 heures, non? Ça te fait pas râler?
Tu dors, Tati? Qui te dit pourquoi tu dors? Ah bah oui, c'est l'heure de la sieste, c'est 2 heures. C'est 2 heures, c'est l'heure de la sieste. Il faut la sieste d'ailleurs. Allez, on va tenter de prendre le pinceau fluffy. Mais je suis pas convaincue avec les splurges. Je suis pas convaincue. Pour estomper, oui, mais pour poser, je suis pas sûre du tout. J'aurais dû le faire avant, mais. Non, quoi que. Elle a fait un trait d'eyeliner super fin là au début de l'œil, un peu plus épais sur les trois quarts de l'œil, et en remontant, en faisant la virgule, et elle a fait une petite pointe là au creux interne. Ouais, on va faire tout ça. Bon, il faut le temps, hein? Parce que du coup. Monsieur trop sympathique. Ah bah ça va alors. Ça va si tu sais pas loin de chez toi et que la personne est sympa, ça va. Donc elle vient quand même. C'est dommage que je suis pas un peu plus blanche, quand même. C'est dommage. Je sais pas comment j'aurais fait. Je voulais pas utiliser le maquillage quand même de déguisement, hein. Mais j'ai pas de. Meuf. J'ai un poil qui se barre. Coucou Laetitia. Alors là, je vais aller mollo-mollo avec le violet, là, hein. Ça suffit là. Après, il faut que j'estompe. Hein. Comment vas-tu, Laetitia? Hop, et je vais venir après avec le plus clair. Je vais bien estomper après. Hein. On peut faire la même chose de chaque côté. Et elle part un peu plus en. Je viendrai en dessous après. Elle part en amande, là. Alors attendez, je nettoie quand même mon pinceau. Ça va être ça, hein. Je vais jongler à chaque fois avec le nettoyage du pinceau. Je ne vous raconte pas l'état de ma lingette. À chaque fois avec le maquillage, ben, je n'arrive pas à les ravoir. Je ne sais pas si vous avez des astuces, vous, pour le maquillage. Pour faire partir le maquillage sur du tissu. Ouais, faut que je fasse un trait d'eyeliner. Il faut que je fasse mon œil noir. Hein. Parce que c'est quand même gothique. Hein. Donc il faut du noir. C'est dommage, je ne suis pas plus blanche. Comment je vais pouvoir faire plus blanche? Je réfléchis. Je sais pas. Là, je partirai après en amande. Je voudrais finir l'œil là, le bas de l'œil, pour partir bien en amande. Tu es au camping? Pas au camping, à la plage là? Ou tu es chez toi? Je sais pas s'il y a internet là-bas, la plage. Mais nous, on est au bord de la piscine. Au bord de la piscine. Allez, on va essayer de prendre le bleu. J'ai créé, mais je suis pas convaincue. Il a déjà séché, dit. Alors, je vais prendre. Je vois ce que ça donne. Il était joli sur ma main. Oh, quoique non. Il est joli, hein, ce bleu vert. Là, celui-là que j'ai fait. Allez, je vais venir sous l'œil avec. Ouais, moi j'ai pris des couleurs là ce week-end. Je suis restée sur le bord de la piscine et j'ai pris des couleurs. Hein. Donc déjà, je suis bien. Et elle a fait des petites. Ah! Je viens de me rendre compte. Oui, d'accord. Je viens de me rendre compte d'un truc. Sous l'œil, vous avez vu, elle a fait violet. Je viens de le voir juste un instant. Je me demandais ce que c'était. Violet, bleu, violet, sous l'œil. Donc on va venir là, sous l'œil. Du bleu, mais je vais pas prendre ce bleu là, il est trop sec. Il est trop sec, ça me convient pas. Je suis pénible. Donc je reprends mon bleu que j'ai utilisé là-haut.
toute façon, après, je vais venir un peu plus le mettre du noir là pour le noircir un peu, hein, comme sur la photo. J'ai pas de crayon bleu. Zut alors. On va faire un truc bon. Allez, on va faire. Alors, comme elle a fait là, elle a mis du bleu. Attends, je regarde le miroir. Hein. Alors, on va faire bleu. J'ai reçu un texto, non? C'est qui? Alors. Ah, quel trafic, hein? Il est où mon pinceau? Voilà. Ça, c'est un pinceau eyeliner pour faire des traits bien fins. Alors, je vais faire sous l'œil là. Bleu. Et là, elle va venir avec du bleu. Mais là, elle est venue donc avec du bleu là. Et là, je vais venir avec du violet. Je nettoie mon pinceau. Tu me dis hein, si c'est bon, hein, d'après toi, hein, Fluffy. Je vais prendre mon miroir là. Je verrai peut-être plus clair. Est-ce que la lumière est bonne d'abord? Dites-moi, parce que du coup, j'ai fermé les volets. Il y a tellement de chaleur dehors que je ferme les volets. On vit en pénombre. Bon, après, mon homme il me dit, ouais, mais on a la clim quand même. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, ça va alors. Faut que je parte plus en amande là. Je suis pas partie trop en amande là, les filles. J'ai fait n'importe quoi là. Là, il faut que je parte en amande. Donc, supposons que le liner il est là. Ouais, il faut que je parte plus en amande là. Je parle toute seule là, les filles. Ah, ben voilà, c'était la plage. C'est ce que. Ce qui me semblait. Voilà, un peu plus en amande comme ça. Vous voyez? Et quand je vais passer mon. Je pense hein, que c'est comme ça. Quand je vais mettre mon trait d'eyeliner. Voilà. Je pense. Moi, je le vois comme ça. Hein. Je ne sais pas si c'est vous voyez pareil que moi. Moi, je le vois comme ça. Alors, faire pareil de l'autre côté, ce sera autre chose. Voilà, en amande. Je vais partir comme ça, dans le violet là. Je vais prendre mon autre pinceau. J'ai l'impression que le vent il se lève, nous, chez nous. Hier, il soufflait tellement fort que tous mes meubles de jardin se déplaçaient sur la terrasse. Voilà. Un peu de violet, un peu de bleu et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle cherche, ma fille? Qu'est-ce que tu cherches? Désolée, mais est-ce que... Dehors, non. Non, à 4 heures, Oui. on pourrait y aller tout dehors et moi je me baigne. Oui, si tu veux, mais de toute façon, moi, après, à 5 heures, quand papa il arrive. Je pars ramener ta soeur. Alors parlons d'Aurélia, elle est où? Elle est dehors. Elle vient de partir. Ok. Oh, trop beau le bleu. C'est Elle est ma couleur fine. préférée en Je plus. sais. Violet. Voilà. Alors j'ai mis du violet, du bleu. Et là, je. Il faut que je remette du violet. Il faut que je remette du violet. Puisque sur le creux de l'œil interne, je vais mettre du bleu. Il faut que je mette du violet là. Voilà. Ah, c'est comme ça, non, Fluffy? Que tu le vois aussi. Je vais prendre mon pinceau. Tu fouilles quoi, Maïlis? Qu'elle fouille le tiroir. Voilà, j'ai fait violet, bleu, violet, et là je vais venir avec du bleu. Bleu, mais un peu plus clair. Donc je vais mettre du bleu et après je rajouterai des. Je
Je parle bien français. Je rajouterai de l'argenté un petit peu pour éclaircir le bleu. Là. Là. Et je rajouterai des paillettes. Ouais, mais ce teint me va pas là. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution pour m'éclaircir le teint là. Parce que ça va pas quand même. Alors, j'ai dit que j'ai rajouté des paillettes, les filles. Les paillettes, les paillettes, les paillettes. Bon, je suis désolée, hein, je peux pas mettre de musique. Du coup, vu que la tablette est utilisée, je sais pas faire mettre deux choses à la fois. Voilà, et on estompe pour que ça fasse... Oh, qu'est-ce qu'elle veut encore ? Moi, est-ce que ça vient avec un AA sur un papillon ? Oui. T'as des AA ? Non, mais tu vas pas utiliser le papillon maintenant. Non, non. Est-ce Allez, que... je regarderai après la sieste. Allez, quand les petits seront enlevés. Oh, mercredi ne devrait pas exister. Hop. Voilà. Comme ça, ça éclaircit en mettant un petit peu d'argent là. Quoi, interne. Maïlis, range. Range. Faites des gosses, je vous le dis, moi. Faites des gosses. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, là. Bon, c'est pas fini, mais j'aime pas mon teint. Mon teint ne va pas du tout avec le personnage. Alors, le violet, c'est fait. Le bleu, c'est fait. J'ai même pas réfléchi comment j'allais faire les lèvres en noir. Ah, si! Bon, elles ne sont pas aussi pulpeuses que les siennes, hein, c'est clair. Si, si, avec le splurge aussi. J'ai un splurge noir, donc c'est bon. Alors, ça, c'est le bouchon du bleu. Alors, on reprendra peut-être tout à l'heure un petit peu le violet. On verra quand j'aurai fait le trait d'aligner. Alors, je vais faire le trait d'aligner. Et si, je vais venir aussi dans la muqueuse, après. Avec, comme j'ai pas de crayon bleu, ouais, noir bleuté. Et je mettrai du splurge au milieu. Donc, je mettrai du splurge noir. Et au milieu, je mettrai du splurge bleu. Bleu, limite, je mettrai un petit peu de vert. Alors, oui, je disais que j'ai pas de crayon bleu. Il est trop foncé, celui-là. Oh, quoique. Non, je vais tenter de mettre du splurge dans les yeux. Eyeliner noir. C'est ça que je cherchais. Alors, je vais faire un trait très fin qui va partir du coin interne. Je vais l'élargir un petit peu ici et je vais venir faire la virgule. Ça, c'est en théorie. En pratique, c'est autre chose. En pratique, on verra bien ce que ça va donner. Allez. Alors, je vais prendre mon petit miroir. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Déjà comme ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Allez. Et là, je commence à l'épaissir. Voilà, très fin. Là. Et là, je l'épaissis. Pour faire la virgule. La virgule, on va la faire là. Alors attendez, je remets un petit peu de noir. Un petit peu noir dans mon eyeliner.
sais pas ce que vous en dites. Je vais mettre... Alors, attendez. Je vais revoir encore mon trait d'aligner plus au coin interne de l'œil. Il faut que vraiment que je le fasse aussi... Alors... Je vois pas si j'en ai mis de partout, là. Est-ce que ça vient de la lumière? Est-ce que ça vient de mon miroir qui est sale? Voilà. Ça a l'air d'être bon, là. Là. Voilà. Là. Et maintenant, je vais bien mettre du noir sur la pointe. Hop, la pointe de mon eyeliner. Alors, l'eyeliner, il va pas couler hein, du tout parce que il est waterproof. Donc, du coup, j'ai aucun risque dans la journée qu'il va... Alors. Il faut suivre l'œil. Là, là. Ouh! Ah! Il est passé où? Il est là. Ah! J'ai la photo aussi de ton chien, Fluffy, que tu m'as envoyé hier. Alors, j'ai fait une bêtise. Alors, j'ai fait une bêtise. Là. Il faut que j'aille tout droit. Ouh, ça gratouille. Là. Le bas, j'arrive à me peinturlurer, mais pas le haut. Pourquoi? Regarde, j'arrive à faire le bas. Mais pas le haut. Alors, on va retenter. Après, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est encore moins gagné. Voilà. Est-ce que ça te convient comme ça? Et là, je vais venir comme ça. Et je vais venir mettre mon bleu que je disais dans les yeux. Ou alors il faut que je ferme mon splurge. Hein. Chaque fois je dis qu'il faut que je le ferme, mais je ne ferme pas. Bleu. Il n'est pas. Oh, putain. Il n'est pas. Il n'est pas net. J'aime pas. Ah, je vais venir gratter au-dessus, là. J'ai vu. Je vais venir gratter. Alors, je reprends mon pinceau eyeliner. Et là, je vais aller dans la muqueuse. Je vais aller dans la muqueuse, mettre du bleu. Il faut qu'il y ait de la couleur, quand même. Ouais. Allez, zoom. Alors, on va pas faire comme ça. Ça n'a pas l'air d'accrocher. Donc, je vais accrocher avec un crayon bleu. Et après, je viendrai mettre la couleur bleue pailletée. Je pense que ça accrochera mieux comme ça. Parce que le splurge n'est pas à la base fait pour mettre sur la muqueuse. Mais... Si on met un crayon avant, je pense que il va accrocher sur le crayon. Voilà. Voilà. Voilà, en mettant le crayon bleu dessous, du coup, ça a accroché. Ça a permis au splurge d'accrocher. Alors, je vais venir avec mon petit goupillon et venir gratter au-dessus là du. Là. Parce que je trouve que le trait est trop épais. Et vous voyez comme c'est un eyeliner waterproof, ça se gratte et ça s'enlève comme une seconde peau. Par contre, là du coup, comme c'est le coin interne de l'œil, ça a enlevé un petit peu de la couleur. Donc il faut que je vienne nettoyer tout ça. C'est pas... Ça fait pas le même... Comment on dit ça? Sur l'œil, quand vous venez gratter, quand vous avez fait le trait qui est trop large, on vient gratter avec un goupillon, ça ne s'enlève pas
la couleur. Mais là, comme au coin interne, on a toujours des larmes. Donc, du coup, eh ben, du coup, ça a enlevé un petit peu la couleur. Donc, je vais remettre un petit peu de bleu. Je vais remettre un petit peu d'argent. Donc, je nettoie encore mon pinceau. Je vais prendre un petit peu d'argent que je vais mettre sur le bleu pour faire un bleu clair. Et je viens un tout petit peu plus là. Est-ce que c'est mieux ou bof? Là. Je viens un peu flouter. Je prends un pinceau pas trop large pour venir flouter là. Mais pas trop en étalé quand même. Voilà. Et je vais venir. Qu'est-ce qui manque là? Le trait d'aligner. Pardon. J'ai loué, ok. Dans le coin interne. Alors là, je vais essayer de ne pas me louper. Parce que si à chaque fois, il faut que j'enlève tout pour recommencer, on va pas le faire. Alors. Là. Pas évident cette pointe. Alors que ça donne quoi la pointe? Est-ce que ça c'est bon? Attends, je vais remettre un peu de noir. Le coin interne de l'œil, il pleure tellement que du coup, ça va dans. Le noir part. Ouais, tu vois, il part à chaque fois. Voilà. Bon, je reviendrai après s'il faut refaire Comment on appelle ça? Vous m'avez compris, hein? Je trouve pas mes mots. Bon, vous en dites quoi déjà de celui-là d'œil? Donc, j'ai mis le vieux. Donc, là, je vais commencer par tracer le eyeliner. Le trait d'eyeliner. Est-ce que vous aimez? Mais il faut que je fasse un truc pour mon teint. Hein. Il faut que je mette plus clair. Il n'y a pas. Il y a un bébé crème. J'ai que du foncé. Je réfléchis à les filles. Hein. Je vais voir en échantillon ce que j'ai. En échantillon de fond de teint liquide, je vais mettre du clair. Du clair et... ouais, je vais peut-être mettre Scarlett et je vais remettre la... Pour faire un peu plus blanche quand même. Pour que ça soit bien blanc. Quand même. Alors, je regarde mon trait d'eyeliner. Là, je le fais super fin. Et là, je commence à l'agrandir. Attends, j'ai mon œil qui bouge tout seul. Bon, là, j'ai pas encore... Bon, vous êtes sérieuses les filles, hein? Vous parlez pas, il n'y a que moi qui parle. Je parle toute seule. Oh, faut que je fasse la virgule là. Voilà. Est-ce qu'elle est pareille de l'autre côté? Là, elle est plus courte. Elle est surtout plus claire. Hop. Moi, je suis concentrée, mais je fais que de parler. Ça, c'est le stress. C'est le stress qui me fait parler. Parler, parler, parler. Voilà. Alors, ça donne quoi, la virgule? La virgule a l'air bien. Le trait d'eyeliner, bien. Il faut maintenant que j'aille plus loin. Allez, je vais venir au coin interne là maintenant. J'ai fait tout à l'heure. Attends. Ah, j'ai perdu ma photo. L'autre aussi était joli, hein, Fluffy. Peut-être que je le fasse, tiens, le jour aussi.
C'était ça les filles, je vous montre quand même. La photo gothique. Ah! Hop! Allez, je repose ça. Hop là. Alors, je voulais reprendre un petit peu de blanc et de bleu. Parce que du coup, je trouve que cet œil-là, il va plus à l'intérieur que celui-là. Donc on va l'agrandir un petit peu. Car je suis mal assise sur la chaise. Voilà. Pour faire le trait d'aligner. Je vais là. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Je voulais faire quoi là? Le blanc. Voilà. Voilà. On est venu un petit peu plus à l'intérieur de l'œil. Alors, c'est bizarre. Le truc est bizarre. Alors attendez. Je vais faire autrement. Parce que si je regarde bien la photo, le trait d'aligner, il descend, il suit bien il suit bien l'œil et il descend bien. Que là, je remonte là. Bah bon. Donc, c'est qui Patrice? Tu regardes le maquillage Patrice maintenant? C'est qui Patrice? Il y a un Patrice sur le live? Alors. Ah, d'accord. Excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire, Floufi? En effet, vous avez vu sur la photo, le coin interne de l'œil, il ne remonte pas. Il suit la ligne de l'œil. Donc ce côté, c'est pas bon. Ah, il a fait super fin. Hein. Alors attends. Oh, putain. Ouais, parce que là, l'œil, du coup, ouais, ça donne pas pareil, en fait. Allez, je vais bien le faire de ce côté-là et on va refaire de l'autre côté. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Là c'est ça, comme ça qu'elle a fait. Ouais, tout à fait. C'est comme ça, elle suit bien la ligne de son œil. Là j'ai suivi en fait le creux de mon œil. C'est pas le creux qu'il faut suivre, c'est le trait du haut. Là c'est mieux. Ouais, donc celui-là je vais l'enlever. Je vais refaire mieux celui-là. Voilà pourquoi que ça marchait pas bien. Et là l'œil est vraiment, il part bien comme sur la photo en amande. Plus que celui-là, lui ça donne pas pareil. Alors, vous avez vu comment ça fait? Rien que le trait de là. Du moins, je pense que c'est que le trait. On verra tout à l'heure. Mais la forme de l'œil ne donne pas pareil. C'est fou, ça. Bon, je vais faire le trait bleu, comme j'ai fait de l'autre côté. Et je vais mettre le... Où est-ce qu'il est, mon bleu, maintenant? Alors, je vais mettre mon bleu dans la muqueuse. C'est bleu. Et après, je vais venir avec... Le splurge bleu. Moi, j'y crains dans la muqueuse. C'est vrai que j'en mets jamais. J'ai pas cette habitude-là. Et du coup, ça me fait pleurer l'œil. Allez, le splurge bleu. Et je vais venir donc dans le creux interne. Dans le creux interne, n'importe quoi. Dans la muqueuse. Voilà.
Et je vais venir donc enlever celui que j'ai fait à droite parce que ça va pas. Allez, je vais venir gratter délicatement en évitant de m'arracher l'œil. Il est parti en cacahuète. Ouais, il est parti en cacahuète. Tu as raison. Alors là, comme il part vraiment en cacahuète pour de bon, je vais venir prendre, chose que je fais jamais, ma raison. Bah, j'en ai fait quoi? Ah oui, ils sont là. Je vais prendre un petit... C'est pas un coton-tige, c'est ce que je me sers pour quand je maquille les filles pour le rouge à lèvres. Ça, j'enlève. Là, j'en avais trop mis. Voilà. Je sèche. Et je vais remettre du splurge bleu. Je vais recommencer de toute façon. Splurge bleu, je vais mettre du l'argenté aussi. Hop, attends. Là, un peu de bleu. Voilà, et je vais venir mettre voilà, le bleu. Et je vais venir mettre de l'argenté. Pour éclaircir le bleu. Elle ronfle, Julia. C'est peut-être Nessie plutôt sous les draps. Tiens, ma grande de mal fait sa journée d'appel. Journée d'appel. Bon, allez où? Mon eyeliner, il est là. Alors, je vais essayer de ne pas me louper. Donc, j'ai bien su le... Oh, vous m'avez compris, hein, l'œil. La forme de mon œil. Alors, par contre, Attends. Ça me plaît pas là. Ça me plaît pas. Ouais, ça va mieux. Bah écoute, je te dirai ça. Ce soir, je l'amène chez une copine parce que demain, elle commence de bonne heure. Quoi, il faut qu'elle soit à 8h à... Ah, j'ai mon colis qui arrive. Il faut qu'elle soit 8h là-bas. Et ça... Oh putain, j'ai fait un pâté là-haut. C'est à Valence, c'est à une demi-heure d'ici. Et moi, je ne peux pas l'amener parce que j'ai le petit qui arrive à 7h. Après, j'en ai une autre à 7h15. Après, c'est 9h. Et entre-temps, il faut que j'amène Maïlis à l'école, donc je ne peux pas l'amener. Donc du coup, elle va chez une copine ce soir. Comme ça, elles vont toutes les deux avec la mamie là-bas. C'est quoi, c'est la mamie qui les amène. Et après, moi le soir, je vais aller chercher à Romain. Parce que c'est pareil, demain soir, moi j'ai l'équipe éducative pour ma dernière. Avec ses problèmes de dyslexie, dysorthographie et toute dyscalculie, entre autres. Bon, alors là, je vais avoir du mal, hein, les filles. J'arrive pas à le faire ce côté, mais pourquoi? Mais pourquoi? 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 Alors, attendez, déjà, je vais... Ce qui me perturbe, c'est le truc là que j'ai fait, là. Ça me perturbe, ça. C'est trop épais. Donc, je vais venir gratter. Et donc, demain soir, je vais aller les chercher. Après l'équipe éducative. Du coup, je finis plus tôt demain. Pour m'occuper de ma dernière, hein. Tous ces problèmes de scolarité, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, il faut que je suive bien la... Mais là, j'ai du mal. Côté droit, j'ai du mal. Hein. Ah ouais, multi-10. J'ai que la dernière et je te garantis, ben heureusement. Hein, parce que franchement, c'est déjà bien compliqué. Puis quand au début... Ah, ça me gratte. Quand au début, on ne savait pas ce qu'elle avait, que... Elle n'arrivait pas à la lecture et tout, qu'elle n'arrivait pas à apprendre et qu'on lui expliquait une leçon et puis que tu y es 3, 4, 5, 10 fois, tu lui dis la même chose et puis au bout d'un moment, tu dis oh t'es bête ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait comme bêtise? Mais en fait, quand on ne sait pas le pourquoi du comment, maintenant on le comprend, hein, maintenant tout nous passe au-dessus, hein, même Patrick, tout nous passe au-dessus, ben, elle a des mauvaises notes, la fois en dictée, elle arrive la moyenne, stress faute. Alors au début, c'est catastrophique. Tu dis, pétard, 13 fois, mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Puis maintenant, quand elle fait
On se faute. Oh, mais c'est génial. Quand on en fait 15, c'est pas grave. Maman. Tu vas où? Dehors. Faire quoi? Je vais avec Milo. Et là, il est dehors, je suis sortie. Oh, mais tu fais pas le zoo et tu vas pas à la piscine, hein? Bah, non. Ferme la porte. Alors maintenant, tout nous passe au... Ah ouais. Moi, les dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, je suis pas sûre, mais elle a un autre 10. Elle a des problèmes de mémoire aussi, parce que quand on lui dit quelque chose, 5 minutes après, elle s'en souvient plus. Non pas qu'elle n'a pas écouté ce qu'on pensait au début, mais c'est que son cerveau n'a pas assimilé. Bon, la concentration, hein, c'est très difficile. Elle est limite hyperactive, donc pour rester assise aussi, même à table. Hein. Même à table, elle ne peut pas rester assise. C'est... Oh, la porte. C'est... Et puis quand tu connais pas la maladie, bah tu dis... Oui, combien de fois je lui dis, mais t'es bête ou quoi? Parce qu'elle ne comprenait pas, la pauvre. Maintenant que ça a été diagnostiqué, que ça fait depuis janvier, elle a une AVS maintenant, heureusement, parce qu'elle n'y arrivait pas. Puis les copains, ils sont toujours en train de se moquer. Ouais, t'arrives pas à faire ci, t'arrives pas à faire là. Ils sont méchants entre eux. Hein. Bon, allez, je tente de. Je parle plus là, parce que sinon, je vais pas arriver. Non. J'arrive pas. J'y arrive pas de ce côté, mais c'est fou ça. Ma fille, elle a dit qu'elle était dehors, mais elle n'est pas dehors. Ou alors, elle a laissé son téléphone allumé et elle est sortie. Ça, c'est probable. Allez, je vais essayer, chose que je ne dois pas faire d'habitude parce que j'en ai partout. Ah oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que tant qu'elle n'avait pas été diagnostiquée, quand tu as ton gamin qui comprend rien, tu dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, ils sont super méchants. Hein. Ils sont super méchants. Hein. Putain. Puis même pour la lecture, hein, c'est fou, elle n'y arrivait pas, elle n'y arrivait pas. Et... Bon, là, j'y arrive pas non plus. Hein. Regardez le pâté que je fais. Attendez. Je vais voir si elle est là ou pas parce que j'entends un téléphone. Désolée, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens. Bon, alors. M'a permis de faire une pause, hein, parce que là. Et elle re-rentre. Mais qu'est-ce. Attendez. Ça va déjà un petit peu mieux. Là, par contre, je vais venir là. Voilà, faire la pointe. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis là. Bon, tu veux quoi? Ben, tu laisses Milo dehors, va dans ta chambre. Alors, qu'est-ce que vous en dites, les filles? Est-ce que ça vous convient ou pas? Il est toujours pas bien fait celui-là par rapport à lui, hein, je vous l'accorde. Je fais une pause là. Je fais une pause parce que là, je suis en train de m'énerver sur mon œil. Je fais une pause et je vais tenter de me faire un peu plus blanche. Ouais, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Allez, je vais chercher. Alors, je vais chercher du Scarlett en teinte de fond de teint pour faire bien blanc. Alors, je cherche dans ma petite boîte magique. Elle non, c'est trop foncé. Taffeta velours. Velours, c'est Matin Naturel, donc c'est pas la peine. Cachemire. Allez, cachemire, c'est pas bon, taffeta non plus. Il me faut du scarlet, taffeta chiffon. Faut du blanc, organza, velours, taffeta chiffon, organza. J'ai de tout sauf du scarlet. Non, mais tu crois, toi? Chiffon, velours, organza. Bon, je ne trouverai pas la teinte que je veux. Alors, c'est pas grave. On va retenter autre chose.
On va retenter autre chose. On va retenter autre chose. Ce qu'on va faire, on va faire un peu plus blanc. On va tenter au niveau du front. Ce qu'on va faire, il est où mon correcteur? Sans trop toucher aux sourcils, parce que j'ai fait les sourcils, bien évidemment. Alors, je regarde ce que j'ai là. Hein. Là, non. Alors, ça aurait été bien le fond de teint en stick, mais Scarlett. Je ne l'ai pas, Scarlett. Là, je l'ai comme ça. Non, j'ai pas. J'ai pas de blanc. Alors, je vais remettre de ça. Mais je vais mettre plus de... Attendez, je range un peu, c'est le bordel. Je vois plus rien. Il est où mon correcteur? Je cherche mon correcteur Scarlett. Correcteur Scarlett, il est là. Alors, je vais en mettre un peu plus. Non, j'ai pas de blanc. Maquillage, j'en ai pas. J'ai que du latex liquide. Je vais faire ça avec le front. Je vais mettre plus de. Oh là là, j'y arriverai pas aujourd'hui, hein. Plus de Scarlett, de correcteur Scarlett. Eh ben, dis donc, sans trop aller vers les. Alors, oh putain, ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate. Parce que bien sûr, j'ai fait mes yeux. Donc. Alors. Là. Oui, je vais y arriver. Je vais plus pouvoir bouger parce que je recommence tellement que j'aurai de. De couches de fond de teint. Bon, normalement, on n'en met pas autant, hein. Mais j'ai pas le fond de teint. C'est dommage, j'ai pas le fond de teint. Le fond de teint en stick, il aurait été nickel. Parce que le fond de teint en stick, il est plus couvrant que le fond de teint liquide. Et du coup, en Scarlett, il aurait été nickel. J'aurais rien dû rajouter. Là, j'ai rajouté un petit peu de correcteur parce que le correcteur a. C'est bien pour corriger. Ouais, vous parlez là pour si. On s'en fout, on va mettre du noir. Allez, on va estomper plus avec le pinceau qu'avec l'éponge. Comme ça, on sera sûr de pas. Oh, ça va pas aller ça. T'as fini de te lécher? Jaya. Je vais prendre un plus petit pinceau pour faire les yeux. Je voudrais éviter de tout défaire ce que j'ai fait là, quand même. On va éviter. Alors, je suis déjà un peu plus blanche, hein. On va matifier tout ça, hein. On va matifier de suite. J'en ai gardé un petit peu pour les yeux. Je vais prendre la Biolde pour matifier. Et je vais venir avec un pinceau délicatement pour venir ici, sans trop toucher et. Le maquillage que j'ai déjà fait, parce que ça normalement on le fait en premier, hein, le teint. Tout comme ça, mais je pensais pas que ça donnerait. Hop. Éviter de toucher trop le maquillage quand même, ce serait bien dommage. Alors là par contre, j'ai vu que j'avais du noir là. Voilà. J'ai mis de la poudre. Ça fait pas trop blanc maintenant? Jamais contente de la vie. Mais si, t'arrêtes de ronfler.
Allez. Là, c'est matifié. Maintenant, on va venir aux yeux. Mode zombie. Ça fait trop blanc maintenant? Ah, me dis pas ça, hein. Ça fait trop blanc maintenant? Non. Non, ça fait trop blanc. Ne me dis pas ça. Je vais nettoyer mon pinceau. Alors, attends. Ça me gratte là. Ça m'énerve. Je vais pas toucher mon maquillage. Allez, je nettoie mon pinceau. C'est trop blanc alors, tu me disais, Fluffy? Ne me dis pas ça. Je vais venir mettre du... Je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là plutôt. Je nettoie mes pinceaux parce que, du coup, vaut mieux. Pour éviter que le blanc devienne bleu. Coucou Céline. Ah, je vais venir là-bas dessous. Je vais venir flouter là, comme ça on... Là, je voudrais bien faire blanc. Ah oui, mais là, il faut pas voir la... il faut pas voir le coup, hein. Bon, je vais essayer de faire le coup après. Comme ça, ça se verra pas. Hein? On va essayer de faire le coup, hein. Non, on va pas essayer, on va faire le coup. Voilà. Tu vois les yeux? Elle vient aussi un peu plus là, hein, quand même, hein, avec le violet. Hein. On va venir dessous. Hein. Mon truc, il est où? Voilà. Re-Caroline! Ouais, mais je vais venir faire la... T'as raison, hein. On va venir faire le coup aussi. Non, mais on va faire le coup, ouais. T'inquiète pas, ce sera mieux. Même pour la photo, ce sera mieux. Bon, après, vous me direz, hein, quand je mettrai la photo, si ça correspond, si le défi est relevé ou pas. Et si vous avez d'autres défis, hein, les filles, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez comme elle a fait Fluffy, hein, vous m'envoyez un MP, et puis je tente. Hein. On est là pour s'amuser, hein, pas pour se prendre la tête, se prendre au sérieux, quoi, du moins. Voilà, moi j'aime bien. Comme j'ai fait la dernière fois le déguisement d'homme en live. Voilà, hein, les sourcils, je vais peut-être les reprendre un petit peu parce que du coup, on ne sait jamais. Ah, t'as une mauvaise connexion. C'est peut-être le vent. Je ne sais pas si t'as du vent. J'ai tout perdu. Ah, là. Putain, je suis mal assise, je glisse sur mon tabouret. Je glisse, je glisse. Allez, je refais un petit peu les sourcils parce que du coup, comme je suis venue faire refaire mon teint. Ouais, c'est mieux. J'ai mis plus de... En fait, j'ai mis plus de correcteur que de bébé crème. Les correcteurs, j'ai mis du Scarlett, bien blanc. Voilà. Alors ça, par contre, si chose importante. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je réfléchis si vous avez une idée comment je peux coller le strass. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Pas de la glu, hein. Parce que j'en ai, hein, mais je ne vais pas en mettre, je vais en mettre. Par contre, je vais mettre un petit peu de... Pour faire un petit peu les... Pour creuser un petit peu les joues. Hein. Ça. Et je vais faire les petits traits de... Je perds tout. C'est fou, ça. Hein. J'en mets de partout. Et après, je suis toujours à la recherche de... Ah, j'ai pas fait le mascara non plus. Je vais mettre quand même du mascara. Bon, est-ce que ça vous convient les yeux là comme ça, quand même, avant que je finisse les yeux. Là, j'ai vu un truc là. J'espère que je vais pas faire de boulettes. Ni vu ni connu. Alors, je vais faire les trois petits traits là. Les trois petits points, pardon. Là. Là. Et le troisième.
C'est bon ou un peu plus gros les trucs? Ça va pour l'instant. Je sais pas qu'est-ce qui va pour l'instant. Alors les trucs là. Je fais plus gros ou pas? Ça, et je vais creuser un petit peu là. C'est ça? Tu me disais quoi? Mais je vais prendre. Je vais prendre un peu de noir pour légèrement creuser. Cherche du noir en poudre de préférence. Un poil plus gros. Ok. Alors on va faire ça un peu, un poil plus gros. Je vais prendre un petit peu de noir. Hein. C'est pour creuser, mais léger. Il faut que j'ai la main légère. Parce que sinon, ça va tout bousiller. Alors là, ce serait ballot. Alors, on se concentre. Un. Bon, ça alors. Je suis bien. Deux. Oh, il est tordu. Attends. Je sais plus s'il m'a fait les rentrer ou pas. Oui, il est rentré, hein. Putain, je sais plus. Trois. Ça vous convient comme ça, les trois? Putain, il y a un truc qui me gratte. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Là, toujours pareil. Oh. Bon. Allez, je vais creuser. Légèrement, mais léger, hein, promis, avec du noir. Léger, 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 putain, 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 promis, j'en ai pas mis beaucoup. Hop. Ça va, c'est pas trop. J'ai pas tout saccagé. Oh putain, j'ai trop mis là. Il faut pas que j'en ai. Je les nettoie en même temps parce que. Vraiment, parce que c'est surpoussé là. Jaya, t'as fini de te lécher? T'es blessée ou quoi? Il faut que je regarde, tiens. Que de se lécher là, la cuisse. Voilà. Ça va comme ça? Le creux? Oh, voilà. Je vais venir vite fait faire le coup là. Allez, un peu de bisque. Et correcteur Scarlett. Go! Le coup. Bon, on va dire que hein, il faut voir que comme ça, hein, faut pas voir, hop, voir comme ça. Dis mon regard, mon tatouage, je l'ai pratiquement caché. Là. Là, pratiquement caché. Allez. Poudre de fixation. Pour matifier tout ça. Non, c'est les poils. Je croyais que je pelais. Non, c'est les poils. Voilà. Et maintenant, on ne va plus qu'à faire les lèvres. Alors, attends, je vais ranger un peu, hein.
parce que c'est le frigo de Bill. Avec ça, alors comment je vais mettre? Je sais. C'est un crack. Alors, ça c'est tous mes pinceaux qu'il faudra que je lave, hein, bien évidemment. Ça aussi il faut que je lave. Ça je vais ranger. Je range un tout petit peu les fils, juste 30 secondes et demie. C'est mes toques qui ressortent. Hop, hop, chaque chose à sa place. Et chaque place à sa chose. Hop. Alors maintenant, je cherche mon noir. Magnificent. En splurge, je vais utiliser un splurge. Alors, je range. Mascara. Oh pétard. Mascara. Merci. Je l'avais zappé. Oh pétard. Allez, je prends le noir. Non, elle est là, ma fille. Elle est rentrée. On ne se souvenait plus. Mère indigne. Oui, Maïlis. Quelle carte? Doria. Ah oui, mais il faut que je lui demande. Oui, il faut que je lui demande. Tu fais quoi comme maquillage, juste? On dirait un papillon. Ah, un papillon. Non, c'est un maquillage, c'est celui que j'ai là. Vous avez trouvé une astuce pour recoller le strass? Oui. Qu'on voit bien ton truc là. Oui, oui. Allez, file. C'est normal? Oui, c'est normal. Allez, file. C'est magnifique. Ouh, ça me gratte. Comme je sais que je peux pas me gratter, ça me gratte encore plus. File, s'il te plaît. Que tu mettes le piercing. Oui, il faut que je mette le piercing. Non, mais je vais mettre un strass. Oui, vous avez une idée là pour recoller le strass, les filles? À part de la glu? Alors, je vais tirer mes cils vers l'extérieur, là. Miley, shampoo, fil. Ok, je vois, j'avais... Putain, ouais, j'avais oublié le mascara. Mais... Chose primordiale dans un make-up. Avec le temps... Bon, ben ce make-up, il était long, hein. Encore, il n'est pas fini. Il est déjà 3 heures, les filles. Oh, dans l'œil. Oh, putain. Je fais exprès ou quoi? Pas possible ça. Voilà pour les yeux. J'attends que ça sèche un peu, je vais venir gratter. Les yeux. Ça a l'air d'être bon. Voilà. La bouche. Ah, il faut que je ressorte le bleu. Il est où le bleu? Là. Allez. La bouche. Alors, je vais utiliser mon petit coupon que j'avais tout à l'heure. Et voilà. Et zut. Ça commence bien. Faut que j'en mette au milieu. Oh, putain. Il y a le bleu au milieu. Bon, alors comment on le colle ce machin là? Vous avez une idée?
J'ai peur que si... Alors, attends. Je fais une expérience. Si je mets mon noir comme ça sur les lèvres. Si je viens après... Je fais une expérience sur mon... Moi, je peux le coller à la glu, hein. Je m'en fous. Hein. Ouais. Si je mets le bleu par-dessus le noir, vous voyez, ça va. Je vais tenter un truc. Je vais prendre un deuxième goupillon. Et je vais... Bon, ça va pas être évident parce que j'ai les lèvres fines. Et je vais mettre le au milieu. Ça donne pas pareil, hein. Ça fait plus. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai cherché la glu. Là, c'est de la glu-glu, hein. C'est de la glu 3, hein. Donc ça va tenir, hein. Je vous garantis, les filles. Allez, donc vous en dites quoi? J'ai pas les trucs de fossiles. Voilà où, là, là. Alors, attends, il est où? Il est où mon strass? J'en ai mis plein par terre. Là. Écoute, hein. On verra bien ce que ça donne. Sur le truc là, ça colle pas sur la peau. Putain, ouais, si ça colle pourtant. Hein. Oh pétard. Il est où le truc? Je vois rien du tout en plus de près. Ah, j'ai perdu mon truc. Alors attends, j'en avais un deuxième là. Bon, je peux. Allez, on retente une deuxième fois. J'ai perdu le deuxième. Aïe, aïe, aïe. Mais quelle fille, celle-là. C'est une calamité, cette gonzesse. Alors, attends. On recommence. Alors. Allez, zoom, aïe. Oh! J'en ai mis de...
La glu. Ah, c'est marrant. Attendez, on remet du blanc. Voilà. Bon, est-ce que c'est déjà le rouge à lèvres? Il est bien. Les filles, j'en mets sur mon mouchoir. Je récupère mon brillant dans le bon sens. Je le mets là où j'ai mis de la colle. Putain, non, mais c'est une blague! Et deux, trois. Alors, on recommence. Bon, attends, un bout de papier. Procédons par ordre. Là. Un bout de papier. De la colle dessus. Sur le... Voilà. Là, il y en a de la colle. Là. Un brillant. Ici. Pince à épiler. Là. Colle. Là. Et au milieu en plus. Moi, je vous fais trop et que ça va pas tenir longtemps. Voilà les filles. Alors, est-ce que ça vous plaît? Ça serait ballot que ça vous plaise pas. Alors là, ça serait. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'ai une lèvre qui est plus basse que l'autre, hein, c'est normal. J'aime pas beaucoup les lèvres sur la photo, ça brille plus. Tu préfères quoi? Comme ça ou sur la photo? Du coup, déjà, c'est pas le même bleu. Tu préfères quoi? T'aimes pas les lèvres. Tu veux que du noir. Ah, mais j'ai en enlevé du coup des brillants. Je range. Oula, les perles. Il n'y avait pas une boîte? Si. Bon, ça vous a plu ce make-up particulier, mais ça vous a plu? Ah oui, mais déjà, les lèvres beaucoup plus jolies que les miennes. Hein. Elles sont bien arrondies, bien. Moi, les miennes, elles sont raplapla. Bon, bah, si vous. Une gloss sur les lèvres pour le mettre. Ah! Ah oui, du gloss. Alors attends, on va tenter. On va tenter le gloss. Par contre, je ne vais pas utiliser. Ah. Attends. Ça me gratte. Voilà. Alors attendez, du gloss. Je vais nettoyer mon. Je ne vais pas utiliser le pinceau du gloss parce que sinon, du coup, il va y avoir du bleu de partout dans mon gloss. J'en mets beaucoup quand même. Comme ça? Est-ce que ça vous convient comme ça, les filles, avec du gloss? Mais le bleu, il brille pas beaucoup. Bizarre, ça. Bon, mais voilà les filles, hein, pour le make-up défi d'aujourd'hui. Je vais mettre un petit peu là. Attendez.
Bon, est-ce que ça vous convient? Donc, je vais faire une photo et vous me mettrez si le défi a été relevé ou pas. Ok, les filles? Super, merci Floufi. Si vous avez des idées de défis comme ça, je suis prête à les relever si j'aime bien. Ça m'amuse. Ça m'amuse, ça change un petit peu des make-up traditionnels. Et j'aime bien. Bah, si vous, ça vous plaît aussi, bah, envoyez-moi un message privé des photos. Et puis, je tenterai en live de les refaire avec vous. Voilà. Allez, gros bisous les filles. Ciao, ciao. Demain, on a quelle journée? Jeudi. Non, ce sera vendredi les filles. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.